Pierre Tanguay, poliquin et mécanicien, ce qui se trouve sous le capot n'a pas de secret pour lui. Mais quand vient le temps de démêler le fonctionnement de l'Agence du revenu, c'est plus compliqué. Est-ce que la main gauche ne parle pas de la main droite? Je sais que c'est le gros gouvernement du Canada, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là. Durant la pandémie, Pierre a reçu par erreur un chèque de PCU. Il l'a renvoyé au gouvernement sans même l'encaisser. Affaire réglée? Pas tout à fait. Un jour, je reçois par la poste une lettre disant que je dois 2000 $ encore pour la CPU, que ça n'a pas été remboursé, ça n'a pas été payé, Donc, j'étais un petit peu stressé sur le coup. Je suis comme, ben là, OK, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu le chèque a été perdu? Pour Pierre et sa conjointe, c'est le début de 2 ans de confusion bureaucratique. Comme ça, encore. Le gouvernement confirme avoir reçu son chèque, mais continue à lui envoyer lettre par-dessus lettre pour lui réclamer le même 2000 $ déjà payé. Ça cause un stress parce que tant il y a aussi longtemps qu'on reçoit des avis, puis que c'est comme s'il y a quelqu'un quelque part qui pense qu'on doit encore de l'argent. Pierre et Geneviève ne sont pas seuls dans cette situation. Après vérification, le gouvernement reconnaît l'existence d'une confusion. La PCU fut émise à la fois par l'Agence du revenu et par Service Canada. Les particuliers doivent donc toujours s'assurer d'envoyer leur remboursement au ministère qui a émis la prestation. C'est ça. Ils mettent la faute sur les citoyens. C'est inacceptable. Des centaines de gens se plaignent à leurs députés de vivre ce calvaire. Hey, j'ai envoyé 2000, mais on me réclame encore de l'argent. Et les gens sont inquiets. Et c'est clairement une indication de chaos chez le gouvernement. Mais maintenant, il y a des échanges d'informations. François Boileau est le défenseur des contribuables. Selon lui, un tel chaos n'aurait pas dû se produire et le gouvernement doit faire mieux pour simplifier la vie des gens. Que la communication ne semble pas se faire de façon efficace. Et ça a des conséquences pour les citoyens. En cas d'urgence. La ministre responsable reconnaît le problème, mais n'offre aucune solution concrète. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut que ces cas sont bien réglés et on va faire l'enquête. Vous avez joint le service d'information de Service Canada. Pierre et Geneviève s'impatientent. Faites le 2. Au milieu de cette partie de ping-pong bureaucratique qui dure depuis 2 ans. Je dis, qu'est-ce que je fais présentement? Elle dit, attendez. C'est toujours la même réponse. Attendez. Attendez. Attendez quoi? Je sais pas. Attendez. Une attente dans l'inquiétude pour leur code de crédit et dans la crainte de la visite erronée d'un huissier. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Gatineau.